Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé, j'ai un petit peu décalé, mais désolé si, enfin pour le soleil un petit peu, mais je peux pas. Oups là, mon téléphone a failli tomber. Je peux pas faire autrement. Je peux faire disparaître le soleil pour une fois qu'on en a, c'est incroyable. Donc là c'est pour vous présenter mes achats chez Sephora, donc que j'ai fait il y a deux, enfin il y a déjà. Une semaine, enfin c'était pas ce samedi, parce que là on est mardi, donc c'est pas ce samedi, c'est le samedi d'avant, voilà. Et aussi un autre achat que je vais vous présenter, enfin en gros je vous présente tous mes achats, voilà. Je vais faire de la main. Donc d'abord Sephora en priorité parce que, voilà. Alors, donc je porte à mes trucs un petit peu là, déjà le maquillage, enfin, je sais pas si ça se verra. Je sais pas si vous avez vu un petit peu le fard à paupières, voilà. Donc c'est un fard à paupières, le numéro 221, donc plage hawaïenne, je sais pas prononcer l'anglais, donc c'est pour ça, c'est pour pas faire de quiproquo. Donc voilà, il est à 6,99€. J'adore, franchement il est brillant, donc je peux pas l'ouvrir parce qu'en fait des fois je l'ouvre et ça s'ouvre du mauvais côté. Parce qu'en fait, on peut l'ouvrir par ici, c'est pour permettre de le mettre dans une palette. Parce que si on en achète deux fards, on a une palette offerte. Donc une palette enfin vide, hein. C'est pour mettre les fards qu'on a achetés. Donc voilà. Ensuite, hein, paupières estompeurs. Donc c'est le numéro 70. Et il est à 10,99€. Donc c'est un tout fin comme ceci. C'est pour justement appliquer le fard que j'ai là. Voilà. Donc moi, ça me convient les tout petits parce que déjà j'ai des petites paupières et de toute façon je suis obligée de monter quasiment jusqu'en haut du sourcil parce que, enfin jusqu'au niveau du sourcil quasiment parce que bah, voilà, j'ai petites paupières, voilà. Et ensuite donc un rouge à lèvres, enfin une crème à lèvres pardon, il est marqué rouge velouté sans transfert, donc il tient vraiment toute la journée, donc j'en ai mis ce matin. Donc voilà. Il tient toute la journée, donc vous avez beau boire, manger, enfin voilà, il tient vraiment toute la journée, vous en avez encore au bout de la journée, donc là il est 17h et j'en ai encore sur moi, enfin sur mes lèvres, voilà. Bon après il part un petit peu, hein, mais voilà, c'est pas non plus excessif. Donc il est à 10,99€. Hop, et ensuite, donc oui, je range déjà mon ticket de caisse pour pas avoir trop de trucs. Et ensuite, on a ce masque pour les mains. Donc, je l'ai déjà fait. Masque pour les mains nourrissant réparateur à l'avocat. Il est à 3,99€. Ou 90. Je range mon truc, mais j'ai pas fini, en fait. Attendez. 3,99€. Voilà. Et donc, en fait, vous le posez... C'est comme des gants. Vous le posez 15 minutes et... après vous avez vraiment des mains toutes douces, enfin moi personnellement ça a vraiment marché, je vous le conseille fortement si vous avez des mains très sèches, à tendance très sèche, ça répare vraiment très bien. Vous laissez 15 minutes, moi j'ai laissé 20 minutes, donc enfin 20-25 minutes il me semble, mais franchement ça fait pas de tort parce que c'est voilà, c'est hydratant. Et il n'y a pas de mal de laisser un truc hydratant plus que le temps nécessaire, voilà. Donc c'est un truc que je vous conseille. De toute façon, Sephora, c'est une boutique que je vous conseille en masse. Voilà. Donc voilà pour mes petits achats chez Sephora. Voilà, j'y vais quand je peux. Hein. Enfin, voilà. J'ai demandé pour mon anniversaire de la part de ma marraine et de mes tatas des cartes de chez Sephora. Donc, je vais pouvoir encore aller m'acheter des petits trucs. J'ai trop hâte. Voilà. Et mon anniversaire, c'est le 25 avril. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai craqué pour quelque chose donc, qui me rappelle un peu mon enfance. Sauf que bon là ils sont plus petits. Voilà. Donc c'est ceci. C'est Tamagotchi. Donc ils ont ressorti des versions. Donc avant, enfin ils ont ressorti. Ça fait déjà la deuxième série. Mais je ne me suis pas acheté la première série. Ils avaient sorti la première série. Donc la première version. Enfin la première série pardon. C'était un gros bazar. Et là c'est tout petit. Regardez-moi ça. De toute façon on va les boxer ensemble. Hein. C'est tout petit. Ok.
comment on déboxe ça, d'accord. Donc après, je vous donnerai un peu des nouvelles de mon Tamagotchi, si ça vous intéresse, sur mon compte Instagram, voilà. C'est à... Donc, il m'a coûté 12,90€, voilà. Je sais même pas l'ouvrir, d'accord, tout va bien. Je reviens. Je cherche un ciseau. C'est pas loin, donc ça va. Excusez-moi de vous avoir laissé. Je ne trouve pas les ciseaux. Bon. Je sais pas comment je vais faire. Je ne trouve pas ces foutus ciseaux. Ils étaient sous mon nez il y a pas très longtemps, mais je les ai perdus. Ah, ça y est, je sais ce que j'en ai fait. Ça me revient. Ils sont où? Ah. Bon, attendez. Je fais le ménage en même temps. Hein. Mais comme ça, je vous parle aussi. Bon. C'est vrai que c'est pas très sympa ce que j'ai fait de quitter l'écran comme ça, de vous laisser. Hein. Ne me mettez pas des pouces rouges. Please. Voilà. Ne me mettez pas des pouces rouges parce que je vous ai quitté. Je suis désolée. On va carrément l'ouvrir comme ça. On va y aller à l'arrache. J'espère qu'il n'y a pas de mode d'emploi en dessous. Parce que sinon, je suis dans la merde. Ah bah si. Mais ça va, il est là. J'ai eu peur, hein, sur le coup. Bah alors, mes punaises. Je suis, mais désolée. En plus, sur l'iPhone, il n'y a pas de truc pour le mettre en pause, la vidéo. Donc voilà. Donc voilà, j'ai sorti mon petit Tamagotchi. Donc derrière, j'ai oublié de vous montrer. Donc devant, il est comme ça la boîte. Et derrière, elle est comme ceci. J'ai oublié de montrer. Donc on va lire les petites instructions. Allure. Je sais même pas si on peut le mettre en pause, genre en fait. Genre pendant qu'on part ou je sais pas. Désolée pour le bruit hein, que vous entendez. Appareil Tamagotchi, n'appuyez pas. Initiez au besoin. Ouais, enfin bref. Donc en fait, je pense qu'on peut même pas le mettre en pause. Je pensais en fait dans les nouveaux qu'on pouvait mettre en pause. Bref, on va découvrir ça ensemble. Donc c'est parti, je vous montre que je le... Voilà. Donc bah là en fait on doit le laisser éclore, donc ça peut prendre du temps. Je sais pas si vous voyez. Il y a vraiment un petit œuf, genre qui va éclore. Ah bah on peut régler l'heure pendant ce temps. Bon bah on va le laisser éclore tranquille. Non mon épième là, hein. Comment on fait pour bouger? Ouais mais... Crétin, mon épième. Mais non! Mais non. Bon, désolé, en même temps, je découvre. Mais alors? Ah, voilà. Donc là, il est 5h. 10. Donc je suis désolée si la vidéo elle dure longtemps pour vous. Voilà. Donc là normalement on va voir l'heure. Attendez. Ouais c'est bon, 5h10, 5h10 PM. Donc en gros ça veut dire 17h. Donc voilà, il est toujours pas éclos. Je sais pas à quelle heure il va éclore, punaise. Grouille-toi petit. Je trouve un peu moche, c'est qu'on voit toute l'électronique dedans. Enfin... J'en ai pris un. En fait, j'ai pris parce qu'on voyait que c'était marqué Tamagotchi dessus. Sinon, il y avait l'autre violet aussi. Je pense que le violet, il était... Le violet, il avait pas de truc, en fait. Il n'est pas transparent, je crois. Bon, bah, écoutez, je pense que vous verrez l'éclosion dans une autre... Vous verrez même une évolution dans une autre vidéo parce que voilà, quoi. Ah, bah. Ah, là y est.
Enfin, voilà. Donc ça donne ça, et après il faut s'en occuper tout le temps. Donc voilà. Donc après on va le nourrir. Attendez. Donc voilà, il va manger. Et il va grandir comme ça. Bon, moi je vais le nourrir, je vais le gaver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye!